les potes, les gars, ou pas, j'espère que vous allez bien, les potes. Écoutez, vous m'avez beaucoup demandé, tous, vraiment très nombreux, vous m'avez demandé de faire un haul, et effectivement, vous avez eu raison, parce que j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps. Je me suis pas mal rendu chez Killiwatch et chez Episode, voilà, évidemment, hein. Vous connaissez maintenant. Pas mal d'achats également, notamment ce pull, voilà, et un autre que vous verrez tout à l'heure. Et aussi en boutique en ligne sur le site Topman, donc réservé exclusivement aux mecs. Donc ce sera en barre d'infos évidemment, Topman et aussi niveau sneakers, chez Sneakers and Stuff, donc SNS. Donc vous verrez tout ça en barre d'infos et aussi en try-on. C'est parti les potes, on y va. Donc on va commencer par les pulls, ensuite j'ai un jogging à vous montrer, donc Adidas. Et après on va finir par tout ce qui est accessoires et ensuite, non, sneakers et accessoires. Écoutez les potes, on va commencer par le petit pull rouge que vous voyez très souvent sur mon Instagram. Donc vous voyez les photos ici ou là, voilà. Vous m'avez beaucoup demandé, vous m'avez beaucoup dit, ton pull il est trop beau, tout ça, tu l'as acheté où, machin. Je vous ai répondu sur Instagram et je vous ai dit que je l'avais acheté chez Topman. Donc Topman qui est une boutique en ligne pour les hommes. Je me suis acheté ce pull. Alors ce que j'aime sur ce pull, c'est qu'en fait, au niveau du devant, il est un peu, on va dire, écaillé. Je vois, il y a des rainures, mais surtout sur les manches en fait, vous verrez le try-on juste là maintenant. Mais effectivement on voit bien en fait, on dirait des écailles, enfin voilà, c'est hyper bien fait. Au niveau du prix, il était à la base au prix de 50€ et je l'ai payé 14€. Donc franchement c'est une très très bonne affaire, c'était aux périodes des soldes. Et il faut savoir aussi que Topman, pour les mecs, vous les mecs, Topman fait des soldes en permanence. Donc vous pouvez directement aller sur le site et voir dans les promos, voilà. Et moi j'ai pris du coup en taille L, et à ce moment-là j'ai vu, je suis tombé sur ce pull-là, j'ai fait, c'est pas possible, le pull il est trop beau. Et voilà, franchement je regarde pas du tout mon achat, c'est un sacré pull, il tient bien chaud en plus, c'est nickel. Donc franchement, très bonne affaire. Donc on continue maintenant les potes avec le pull que j'ai sur moi actuellement, donc c'est un Adidas Vintage. Ultra old school, vraiment, on adore, comme vraiment, comme on aime. Alors écoutez, celui-là, je l'ai acheté pas chez Episode, mais chez Killiwatch, puisqu'en ce moment, Killiwatch a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrivages concernant les pulls vintage, les vestes, jackets vintage, etc. Donc on a du Adidas, on a du Kappa, on a du Umbro, on a du Fila, de la marque Kaway, enfin vraiment des vraies, vraies pièces à l'ancienne, vraiment comme on aime, vraiment de ouf. Ils ont de la qualité de malade, on va pas se mentir. Donc franchement, autant j'aime beaucoup Episode, mais des fois chez Episode il n'y a pas grand chose, et inversement des fois chez Killiwatch il n'y a pas grand chose, mais là en ce moment chez Killiwatch il y a énormément de bonnes affaires. Donc ces pulls là sont, donc quand vous entrez dans Killiwatch, vous entrez sur la gauche, donc directement sur la gauche, il y a vraiment un coin dédié à ça, il n'y a que des pulls vintage, etc. Et il faut savoir aussi que les prix sont quasiment presque tous uniques, c'est-à-dire que les pulls de ce genre-là, même l'autre que je vais vous montrer après, sont à 31 ou 30€. C'est un truc absolument magnifique, c'est malade, vraiment. Donc franchement, ce pull-là, je vais vous dire, c'est un peu du synthétique, c'est pas un peu comme, c'est pas du coton en soi, c'est plus du synthétique. Franchement, vous le voyez, voilà, empiècement rouge, marque Adidas ici, avec les grosses bandes jaunes, jaune limite presque orange. Enfin, le pull il est bleu, enfin magnifique. La bande rouge, limite j'aurais pas eu marqué Adidas ici, on aurait pu croire à un pull Gocha, parce que Gocha a un pull à peu près similaire niveau rouge, niveau couleur, donc rouge, bleu, jaune. Donc voilà, franchement très bonne affaire. Pareil, celui-là j'ai eu à 31€, donc je l'ai essayé. Franchement, je vous conseille vraiment d'y aller et de tester, voir un peu ce qui peut vous plaire. Allez voir, ça coûte rien du tout. Peut-être que vous trouverez une bonne perle. Voilà. Donc en tout cas, on va passer au deuxième pull de chez Killiwatch. Donc il s'agit d'un autre pull Adidas. Alors celui-là c'est ce pull, je le kiffe. Et c'est une taille XL, que je dise pas de bêtises. Donc pareil, j'ai acheté chez Killiwatch, même prix, 31€, le même jour hein, que celui-là, voilà. Et je vous mets une photo juste ici, vous voyez très bien que c'est vraiment, c'est une perle. Donc j'ai mis cette pièce-là, donc ce pull, lors du Sneakers Event, donc une vidéo arrive par rapport à ça bientôt, petite parenthèse. Et du coup j'ai mis cette pièce-là ce jour-là, avec un trench One Piece également, je l'ai pas sur moi aujourd'hui, j'ai la même pièce par contre en blanc. Et donc j'ai couplé ça avec un pantalon noir, avec mes nouvelles Nike Air Max Ultra, donc je vais vous montrer juste après. J'attends vos commentaires par rapport à ça, et même le reste du haul, mais surtout, si vous avez des questions par rapport à comment coupler les couleurs, si vous voulez une vidéo par rapport à ça, dites-le moi en commentaire, ou laissez-moi un pouce bleu, ça ferait grave plaisir. Et voilà. On continue les potes avec Killiwatch, une veste qui est absolument magnifique. Il y a un vendeur qui m'a expliqué un petit peu que la veste, il venait de la mettre en vente, enfin en rayon. Et en fait, tout le staff qui travaille à l'entrée du magasin l'a essayé. Elle est impeccable. Pareil, 31€. Non, même pas, 30€. Pour tout vous dire, 30€. Donc voilà, franchement, c'est cette veste. Comment vous dire, je l'adore, je suis totalement amoureux de cette veste. Elle fait un peu blouson, elle fait pas vraiment gilet, elle fait plus blouson, elle tient bien chaud
pour l'avoir essayé plusieurs fois et m'être décidé après, je l'ai essayé et franchement elle tient bien chaud. Pour vous dire, regardez, je mens pas, il y a même encore une étiquette, elle est à 30€, donc franchement c'est absolument ouf, ils ont des arrivages de malade. Si vous êtes un peu comme moi au niveau du style, c'est-à-dire un peu streetwear chic, c'est-à-dire que vous mettez des pièces un peu street, donc des pulls, tout ça, avec des pantalons à pinces, tout ça, vous pouvez largement mettre par exemple cette pièce là en haut avec un petit t-shirt rentré dans le pantalon donc, ou dans le jean, et avec une petite paire de, je sais pas, une paire de Converse, vraiment old school, un bon truc, un bon bail, ou avec un pantalon à pinces noir, ça peut passer. Franchement, je suis très content de cette veste là, elle est hyper belle. Voilà. Là, on va passer sur une pièce. Donc, il s'agit de mon manteau Kawaii. J'ai trouvé cette veste là, pour pas vous dire de bêtises, c'était au mois de février, il faisait encore froid. Et en fait, première fois que je tombe dessus, je fais vas-y, la veste elle était pas à l'entrée du magasin, par contre elle était au fond du magasin, donc le côté fripe de Kili Watch. Je tombe dessus, je fais vas-y, elle est trop belle et tout. En plus, la marque Kawaii, si vous connaissez pas, c'est l'une des meilleures marques au niveau coupe-vent, au niveau Kawaii, mais vraiment du Kawaii vêtements. Première fois, je tombe dessus, je fais vas-y, je regarde le prix, 45€. Je fais putain, c'est pas possible. Allez, après, je me dis vas-y, tu sais quoi, Dieu est grand, Inch'Allah, je reviens, la veste elle est encore là et je peux la prendre. Ça a pas loupé. Deux semaines après, j'avais les thunes, je reviens, la veste elle est encore là, au même endroit, elle a pas bougé. Je l'essaye, impeccable, je fais putain, merci. Merci, putain. La veste elle est bien doublée, elle est bien faite. Avec une poche intérieure, franchement c'est nickel. Donc voilà, superbe. J'ai fait plusieurs photos là-dessus sur mon Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos. Abonnez-vous à mon Instagram, ce serait vraiment cool. Parce que c'est vraiment là-dessus que je partage toutes mes photos de style, de lifestyle, de outfit, etc. Donc franchement, c'est génial. Donc vous avez vu le try-on, hein, vous-même vous savez, c'est les bons bails. Voilà. Et le haul se poursuit les potes avec la marque One Piece, puisque je suis en collaboration avec eux. Et récemment, ils m'ont contacté pour que je puisse prendre un produit. Et quand je prends un produit, tout va bien. Et là, je tombe sur le site et je fais, mais putain, c'est dingue, il y a un trench là, un espèce de kawaii hyper grand et surtout assez long. J'aime trop les kawaii qui sont super longs, même les manteaux très longs, c'est hyper stylé. Et du coup, je demande, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir également en plus du produit que j'ai choisi de la nouvelle collection. Comment vous dire, le kawaii rend archi bien. Vous voyez la photo maintenant, c'est comme le même en noir que j'ai mis pour le Sneakers Event. On voyait le pull jaune Adidas avec les rayures de l'autre côté, enfin en dessous. Je trouve ça vraiment cool. En plus, ça fait office de manteau, tout en étant super léger, en n'ayant pas trop froid. Parce que moi, je le mets sans le fermer. Parce que si tu fermes, bah, c'est, je sais pas, c'est un peu dommage de cacher un peu un look qui est en dessous en fermant le manteau. À moins qu'il y ait des cordes, il pleuve des cordes, là, t'as pas le choix, ça va. Mais sinon, en temps normal, tu peux largement essayer de le trench ouvert. Mettre une écharpe s'il fait un peu, s'il y a un peu de vent, s'il fait un peu froid. Je trouvais ça vraiment super cool. Pourquoi pas, quoi. Et franchement, je le kiffe. Mais ça m'oblige en fait à faire des bonnes concordances de couleurs et de matières pour que ça aille avec le plastique du trench. Donc franchement, pépite. Pépite. On passe maintenant chez Episode d'homme. Mon terre-terre, ma fripe préférée, mon squat. C'est mon squat, Episode, c'est mon squat, vraiment. Je suis parti une fois chez Episode et en fait, je suis tombé sur ce petit jogging Adidas vintage. Vraiment, genre avec des pressions et tout sur le côté. Vous voyez, j'adore le porter. Je l'ai mis à la Fashion Week, dernier jour de Fashion Week, c'était le mardi 7 mars. La mémoire de ouf, mon gars. Et en fait, je l'ai porté. Je fais une photo sur Instagram, pareil, je vous mettrai mon Instagram, vous avez vu, hein, Gaël ou pas. Voilà, vous connaissez les bails. Et voilà, donc juste vraiment, juste kiffant, excellent, voilà. Pour terminer, tout ce qui est prêt à porter de chez Kili Watch, Episode et tout ce que vous voulez, après on va passer aux access. On va passer sur un pantalon noir que j'ai sur moi actuellement. Donc en fait, vous le voyez pas très bien, mais sinon, il y aura le try-on juste après, donc vous verrez. Pendant longtemps, j'ai dit à ma mère, je veux trop un pantalon genre avec noir, assez bouffant en bas, avec des rayures. Alors d'habitude, j'aime pas trop ça, et d'un coup, j'ai fait, vas-y, j'en veux un. Et là, ça a pas loupé, je retourne chez Kili Watch. Je fais, mais c'est pas possible. J'arrive au rayon, au niveau de la fripe, au fond du magasin. J'arrive en face de moi, sur le portant, je vois un pantalon noir, celui que j'ai sur moi actuellement. Je fais, c'est pas vrai. 30€, j'arrive, je l'essaye. Au niveau de la taille, il n'y a rien à reprendre. Même sans ceinture, en fait, je l'ai essayé. C'est nickel, c'est parfait. Je fais, c'est pas possible, c'est mon jour de chance. En mode vraiment dégaine, stylish, voilà. Et j'ai fait, vas-y, franchement, propre. Pépite. Parfait. Selon moi, parfait. Donc on va commencer simplement, ça va être beaucoup plus rapide que le reste puisqu'il y a moins de choses à dire, hein. On parle d'accessoires, donc de bonnets principalement parce qu'au niveau accessoires, c'est tout ce que j'aurais à vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer avec un petit bonnet bleu, donc écoutez, petit bonnet bleu, écoutez, j'ai acheté celui-là donc chez Kili Watch également, donc très simple, hein, évidemment, en laine, et franchement,
il tient chaud, il tient très chaud. J'ai acheté pareil, c'était au moment, je crois que j'ai acheté le même jour que j'ai acheté la parka, donc Kawhi. On est sur du bonnet en laine et moi ce que j'adore c'est vraiment le retrousser en mode bonnet de pêcheur. Parce que les pêcheurs, si vous regardez bien, ils ont des bérets ou alors ils ont des bonnets hyper retroussés. Limite il y a encore moins, il y a encore plus de marge que ça quoi. C'est vraiment voilà. En tout cas moi j'aime bien le porter comme ça. Celui-là j'ai acheté chez H&M, j'avais acheté c'était pas en solde mais c'était à 7,99€ je crois. 7,99€, 8€ hein, on va pas se mentir. Donc franchement j'ai adoré, je l'ai pris, je l'ai fait, vas-y je retrousse et tout. Parfait, pépite, on adore. On commence la catégorie sneakers, les potes, pour terminer. Alors, on va commencer par la petite et la fameuse, vraiment la fameuse. Je l'ai présentée sur Instagram il y a un moment maintenant, mais je ne l'ai pas présentée en vidéo. Il s'agit bien évidemment de la Nike Air Zoom Spiridon. Cette paire, ce sont mes bébé. Ce que j'aime chez Nike de plus en plus en fait, c'est qu'ils font des paires qui sont de plus en plus fitées. Fitées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu voulais le devant, moi ma pointure personnellement c'est du 43-44. Ça dépend des paires, ça dépend des modèles et des constructeurs, des marques, ça dépend. Au niveau du pied, vous avez beau faire du 43 ou 44, là c'est pas très grand au niveau pointure pour un mec en tout cas, c'est assez général, mais au niveau du pied c'est assez fin et c'est ça qu'on adore. Ça, c'est assez fin. Je crois que c'est ma préférée de ma collection. Voilà, petit on nous voit actuellement comment elle est quand elle est portée. De toute façon, il y a aussi des photos sur mon Instagram. J'ai fait un article également sur mon blog qui s'appelle Black Spirit Gold. Et en fait, j'étais habillé en all black avec comme paire cette paire de sneakers, donc la Spiridon. Donc en barre d'infos, allez checker l'article. Laissez-moi un petit mot, ça ferait grave plaisir que je puisse vous parler sur le blog également. Le blog est toujours actif, hein, je ne l'ai pas mis de côté. Juste, j'ai pas trop le temps pour l'instant de m'y consacrer vraiment. Mais ça revient en force. Donc voilà. On continue avec Sneakers and Stuff puisque si vous ne savez pas, au moment des soldes Sneakers and Stuff, donc SNS, toujours, donc l'offre c'est simplement qu'une paire achetée, une paire offerte. La moins chère des deux est offerte, évidemment. Hein. Ça marche au niveau des sneakers, vous pouvez prendre une sneakers et une autre, ou alors une sneakers et un vêtement, donc le moins cher des deux, pareil, est offert, ce sera sûrement le vêtement. Je suis parti en fait simplement sur une petite paire. Alors celle-là pareil, je l'adore. Donc personnellement je suis parti sur une paire. Donc là c'est la Nike Air Pegasus. Donc USA. Je la trouve vraiment très très belle au niveau des couleurs du drapeau américain. Donc on est sur du bleu marine, on est sur du rouge, du blanc. Et franchement quand elle est bien portée, c'est absolument magnifique. Pareil le confort il est ouf. Et celle-ci était à, si je ne me trompe pas, c'était 125 ou 130 je crois. Donc voilà. Assez ouf, vraiment. Donc voilà, avant dernier produit de ce haul, les potes, on va partir chez Epizode, puisque là, oui, c'est une paire de Reebok classique, comme on en fait de moins en moins, puisque maintenant, c'est vraiment l'année de la Club C au niveau de chez Reebok. Donc Club C en avant, vraiment, et Reebok classique commence un peu à disparaître, plus ou moins. Et moi, je suis parti donc chez Epizode, et un coup de chance, je ne sais pas comment ça s'est fait, et au bon moment, au bon endroit, voilà. Et je suis tombé sur cette paire de Reebok classique All Black, absolument ouf pour un style All Black, parfait, même pour l'accorder avec un jean bleu brut, c'est vraiment superbe. Et puis pareil, le confort, il est dingue. Alors par contre, accrochez-vous pour le prix, puisque là, c'est vraiment un truc de malade mental. La paire qui est quasiment toute neuve pour, accrochez-vous, 35€. Comment dire, voilà, super, franchement. C'est un truc de malade, c'est kiffant, c'est génial, le confort il est là, il est bien présent, on est sur vraiment de la Reebok classique de base. Peut-être un must-have dans une garde-robe, homme ou femme, à mon avis. On part comme sur la Converse noire, lacet blanc, basique à avoir. Je pense que la petite Reebok classique, il faut l'avoir. À mon avis, il faut l'avoir dans sa garde-robe. Pour moi, c'est une pièce dont on peut se servir assez quotidiennement, assez facilement. Quoi veut dire de plus? 30€, c'est ma pointure, confort optimal. Et pour terminer ce haul des potes qui a été assez coloré, assez bien, assez cool, assez ouf au niveau des bonnes affaires et des bons plans, on part sur ma petite paire que j'ai actuellement au pied, donc on part sur un try-on, vous verrez juste après. Mais là on part sur la Nike Air Max 2.0 Ultra en fly knit.
Alors à la base, je comptais pas du tout l'acheter. De base, non. De base, j'avais dit sur un live Instagram, en fait, des abonnés me disaient « Ouais, t'as pas une paire en vue en ce moment, t'as pas une paire que t'aimerais avoir ?» Je fais « Ouais, si, c'est vrai qu'il y a une paire que j'aimerais trop avoir en ce moment. » Du coup, ils ont fait tous les noms des marques qu'on pouvait imaginer. J'avais cette paire-là en vue, celle-ci, voilà, qui était assez ouf. Vraiment, lorsque j'ai fait le live, c'est cette paire-là que j'avais en tête. Et là, l'autre jour j'étais à Paris, je fais vas-y, la veille je vois une paire sur Instagram et c'était celle-ci, celle que j'ai au pied. Je fais vas-y, je vais aller voir un peu, je vais aller chez Courir, je vais aller chez Size, je vais aller chez Sneakers and Stuff, voir s'ils l'ont et voir au niveau des prix qui est le moins cher. Une grosse pub pour Leclerc, c'est quelestmoinscher.com. Leclerc. Et chez SNS c'était en fait 165 euros. Du coup je fais vas-y, bah quelques euros de moins, on va pas faire le fou, on va prendre la paire. J'avais déjà essayé chez Size mais j'ai réessayé. Coup de cœur, je fais vas-y, le confort il est malade mental. De toute façon, les Air Max, c'est connu, les Air Max, ce sont des coussins. Et vas-y, je fais vas-y, c'est pas possible, je pars là-dessus. Et après, bah, je suis parti, je l'ai prise et je l'ai mise du coup au Sneakers Event. Et depuis, bah, je la quitte pas quoi, c'est un truc de malade. C'est la fin de la vidéo, les potes, j'espère que ce haul vous aura beaucoup plu. Si vous a plu, laissez-moi un max de pouces bleus vraiment. N'hésitez pas en commentaire ce que vous avez préféré dans mes vêtements que j'ai achetés, mes achats, tout ça. Voilà, un lookbook prévu bientôt, spécialement des vêtements que j'ai achetés en fripe. Du coup, j'ai vraiment hâte de tout vous montrer. Et puis, écoutez, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, juste en dessous. Franchement, je vous remercie de ouf, tous, vous tous, vraiment merci de ouf pour ce que vous faites, de me soutenir autant. Voilà, c'est un truc de malade. Vraiment, merci beaucoup. Les potes, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est que voilà, portez-vous bien, l'amour en balle, comme d'habitude. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, les potes. Ciao.